Isabelle, à la météo, est-ce qu'on peut dire que le printemps est ici pour s'installer? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que l'hiver est complètement terminé. Ça se pourrait qu'on ait encore des températures plus froides. De la neige, on en a déjà eu en avril, donc ça se pourrait aussi. Mais pour la semaine de relâche, oui, on a l'impression que le printemps s'est bien installé les pieds. On n'a pas de grand froid, mais plutôt des températures qui pourraient atteindre les 10 à 15 degrés la semaine prochaine. Déjà ce matin, on voit que c'est très agréable pour le temps de l'année. Moins 4 à Montréal, moins 10 à Saguenay, moins 22 chez Sherfordville. Vous allez voir avec les rayons de soleil aussi, les températures vont se réchauffer. La seule chose que l'on observe pour la fin de semaine, c'est un petit système qui glisse sur le sud-ouest qui pourrait apporter 2, 3, 4 mm de pluie. Et puis, c'est tout. Vous voyez, donc, qui va s'installer probablement ce soir, cette nuit, pourrait toucher là, la péninsule gaspésienne. C'est vraiment pas grand-chose. Alors aujourd'hui, le soleil brille, oui, en nuagement graduel pour le sud, le centre. Les précipitations plus intermittentes au cours de la soirée et de la nuit. Ça reste plutôt gris pour Gatineau en Outaouais. Par contre, la tendance est au dégagement pour Rivière-du-Loup, Rimouski. C'est une superbe journée pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sept-Îles, Baie-Comeau, la Gaspésie. On a, oui, quelques nuages décoratifs, mais rien de majeur. Et la douceur s'installe même dans nos minimums. Hein. On demeure au-dessus du point de congélation. On a peut-être un peu de pluie intermittente en première portion de nuit. Par la suite, la tendance est au dégagement. Et demain, ce sera une journée relativement ensoleillée, peut-être un peu plus grise pour le sud. Par contre, les nuages sont bien denses, mais regardez les maximums. À ce temps-ci d'année, habituellement, en Estrie, c'est moins 2, la moyenne. 13 degrés, c'est le maximum prévu demain. 10 à Gatineau. La tendance est au dégagement pour le centre du Québec. Ce sera ensoleillé pour l'est. Température agréable, 7 degrés à Sept-Îles. Ça reste très, très doux. Et cette douceur va s'installer plusieurs jours. On prévoit des activités pour la semaine de relâche. Regardez, 15 degrés mardi. Ça peut encore fluctuer. Là, on peut avoir un peu plus, un peu moins. Mais quand même, les minimums qui demeurent très doux aussi pour le temps de l'année. Le soleil qui est de la partie. Il pourrait y avoir un système dans la nuit de mardi à mercredi. Ça reste à surveiller. On ne le voit pas sur les pictogrammes, mais ça pourrait apporter de la pluie. Pour l'instant, on pense à 15 à 20 mm. On y reviendra parce qu'il y a beaucoup de conditionnels. Et pour Québec, c'est la même chose. Peut-être un peu plus de grisaille Québec en début de semaine. Douceur des températures. Le soleil essaie de se tailler une place à travers les nuages. Mais disons que oui, on parlait de ski de printemps tantôt. L'hiver, on a l'impression que c'est terminé. Mais ça ne veut pas dire que c'est fait pour autant. Merci Isabelle. À tantôt. À tantôt.